Merci beaucoup de nous faire confiance. Vous êtes sur Congo Buzz Télévision. C'est la campagne électorale qui se poursuit. Nous sommes le 14 décembre 2023. Plus que 6 jours nous séparent de la date du 20 décembre. On y va lentement, mais sûrement. Mesdames et messieurs, on reçoit, comme c'est de coutume depuis un moment, les candidats. Ils viennent parler de leurs ambitions sur notre plateau et parler également de l'actualité électorale. Comme vous le savez très très bien. Mais aujourd'hui, nous recevons Monsieur Papi Diosso. Monsieur Papi Diosso, bonjour et bienvenue dans spécial campagne électorale. Bonjour Monsieur Dan, bonjour Madame Naomi, bonjour à tous les téléspectateurs de Congo Buzz Télévision. Bonjour au président de la République que nous appelons dans notre formation politique les Josué du Congo. Bonjour à la princesse Adèle Kaïnda Maïna qui se trouve dans son fief natal, les Sandoa, dans la province de Lualaba. Bonjour à tous les Congolais qui sont de partout dans le monde. Monsieur Dan, je suis Maître Papi Diosso Ngandoumoué de la Bouinda, affectueusement appelé troisième intellectuel de Kabeya-Kamonga, le prophète politique, le communicateur certifié et attitré d'Aldec. Je suis cadre et communicateur de l'Alliance des démocrates chrétiens du Congo, Aldec en sigle. C'est un parti politique d'obédience chrétienne plutôt, dont le fondement est basé sur Galates 5, 22. Voilà. Voilà, je suis avec Madame Naomi, comme c'est des coutumes. Bonjour Madame Naomi. Mbote mwana mbokadan, mbote ndeko papi Diosso, pe mbote la batonion sur la zone d'Abisso partout à travers le monde. Alors, on va lancer rapidement notre émission, on va poursuivre notre émission. Monsieur Papi Diosso, vous êtes donc de l'ALDEC. Alors, première question, c'est ce communiqué que vous aviez signé, vous aviez même fait une déclaration, où vous dénonciez le fait que vous n'avez pas été financé, vous, les nouveaux candidats de l'Union sacrée de la nation. Dites-nous un peu, donnez-nous quelques détails. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous n'avez pas été financé? Est-ce qu'il était prévu que vous soyez financé? Je pense que nous devons éclairer l'opinion. La question n'est pas, je m'excuse, n'est pas bien posée. Les communiqués que vous avez suivis n'est pas un communiqué issu des candidats députés nationaux tout comme provinciaux des Lignons Sacrés. C'était un communiqué du rassemblement de tous les communicateurs sans distinction aucune faisant partie des Lignons Sacrés. Je voudrais au moins commencer par la genèse. Avant que je sois dans mon très cher parti ALDEC, j'étais au moins dans d'autres partis, dans un regroupement politique qui est le FPAI, dirigé à l'époque par le feu Kitenge Yesu, qui a été remplacé par Laurent Batumuna, qui est en vie. Et au sein de ces regroupements politiques, j'étais dans la structure des communications. Alors, il est arrivé qu'en 2021, je crois au mois de janvier, donc vers la fin de 2020, au mois de décembre, le regroupement politique FPAI a organisé ce qu'on appelait semaine de redevabilité des actions du chef de l'État. Et moi, en tant que l'un des chargés de la communication du parti et du regroupement, j'étais dans tous les médias en train de parler des œuvres qu'a faites Félix Tshisekedi, l'actuel président de notre pays. Et juste après cette semaine de redevabilité, j'ai eu l'idée de créer les collectifs des communicateurs de l'Union sacrée. Parce que ce que nous avons fait dans les regroupements, j'ai tiré une idée. Et j'ai appelé des amis, nous nous sommes mis autour d'une table, ils ont apprécié, l'idée était bonne. Et donc, j'ai appelé un journaliste de m'appeler aussi d'autres communicateurs de l'Union sacrée que moi je ne connaissais pas. Ou soit que je connaissais, mais je n'avais pas leur numéro. La première personne à appeler, c'est Fumoto Tokima qui m'a précédé sur cette chaise. Je l'ai appelé parce que nous étions avec lui dans le même regroupement politique. Il me dira, là où il est en train de me suivre, il est témoin. Parce qu'on ne peut pas mentir sa conscience. Fumoto me dira, je viens
du FCC, je ne veux pas beaucoup plus apparaître dans les structures telles que celles qui vous m'intéressaient, sinon l'idée est bonne. La deuxième personne à appeler, c'est le nouveau directeur, le nouveau directeur général adjoint de Transco, Flory Boitouka. Il m'entend là où il est. Il a apprécié l'idée. Il est d'ailleurs venu à la première réunion. Nous nous sommes entendus pour que la semaine qui suivait, on pouvait faire une déclaration de la sortie officielle de notre structure. Monsieur Dan, Madame Naomi, on était jeudi. Le lundi, le même journaliste qui m'avait donné les numéros m'appelle. Est-ce que Maître Papi Diosso, vous regardez Télé 50? J'ai dit non. Mettez un peu Télé 50. Je ne fais pas une publicité d'une quelconque chaîne. Je mets la chaîne. Je trouve qu'il y a le communicateur qui sont en train de faire une déclaration d'une sortie officielle d'un collectif de communicateurs de l'Union Sacrée. C'est lui qui était comme le coordonnateur, c'est mon ami et confrère Donald Kabasele, que je salue en passant, il est aussi candidat au Kassai Central. Alors, j'étais très étonné, très en colère, parce que c'est moi qui suis l'initiateur de l'idée, mais d'un coup, j'apprends qu'il y a un autre groupe qui a pris l'initiative et l'a mise en place. Je m'étais dit, il n'y a pas un problème. J'ai essayé un peu de les appeler. Ils m'ont intégré dans les groupes. Bref, il y avait des désordres terribles. J'ai maintenant pris des décisions. J'ai dit, comme c'est moi qui suis l'initiateur de ces collectifs, je dois prendre les choses à main. C'est comme ça que les gens qui étaient avec Maître Donald Kabasé les l'ont quitté. Certains m'ont rejoint et nous avons recréé une autre structure qui était collectif des communicateurs du changement pour la nation, CCN en cycle, que moi-même j'ai dirigé. À l'époque, nous avons connu deux structures parce que nous avons vu que l'équipe communicationnelle de la présidence était faible parce que le président de la République a réalisé beaucoup de choses mais qui ne sont pas connues au grand public. C'est comme ça que nous, on avait pris l'initiative de créer les structures communicationnelles. C'était une initiative qui était venue de moi. Alors, nous avons des structures qui se sont tirées en longueur. D'un côté, il y a Maître Papi Diosso, de l'autre côté, il y a Donald Kabasele. Un moment après, il y a Manix qui quitte, Manix Yenda, qui me suit, je les salue en passant, qui quitte Donald Kabasele pour créer aussi sa propre structure. Il y a également notre frère Bazin Pembe qui crée aussi. Donc, nous nous sommes retrouvés devant toute une panoplie de structures de communicateurs de l'Union Sacrée. Pour ce faire, je suis passé sur un média, j'ai déclaré la dissolution de toutes les structures des collectifs de communicateurs de l'Union Sacrée parce que moi, étant initiateur, j'avais dissous toutes les structures. Ça fait beaucoup parler, il n'a pas qualité, il n'a pas la compétence, ainsi de suite. Donc c'était pour vous dire que c'est moi qui suis le représentant de tous les communicateurs de l'Union Sacrée. Mais cette histoire, nous l'avons mis un peu de côté. Maintenant, parce qu'il y a une fissure, Kabasele s'est affaibli, moi je me suis affaibli, il y a une autre personne qui m'a remplacé dans les CCN, mais au moins, vers la fin, avant que la campagne ne commence, Kabasele nous a appelé, Maître Donald, pour qu'ensemble nous puissions mettre une structure commune de tous les communicateurs. Et pendant que Kabasele nous appelle pour mettre en place une structure commune, Mfumutoto, lui, crée une autre structure appelée ICOR, quelque chose comme ça. Il a pris d'autres communicateurs. Il s'est dit, c'est lui qui est le représentant des communicateurs de l'Union Sacrée. Il ne peut pas suivre ni Papi Diosso. Ndeko Papi Diosso, Nanindé a la qualité à communiquer pour le compte de l'Union Sacrée. Tant que vous avez un communicateur, tout ça, vous avez une structure qui est enregistrée. Est-ce que c'est officiel? Est-ce que vous avez un communicateur qui est commis communicateur, il y a chef de l'État, un communicateur, il y a l'Union Sacrée, il y a les médias? Comment est-ce que vous allez enregistrer WAP? Est-ce que c'est officiel?
Merci beaucoup, Madame Naomi. Je dois être clair. Naba structure nyonso oyo na otiko tanga mon côté za officiel. Même yan fumoto toye moko. En fait, c'est l'amour de notre président de la République. Parce que déjà, toza ba analyste politique, toza ba communicateur, nous sommes habitués aux médias de fendre le pouvoir. C'est comme ça que l'idée et yaki et pananga, au lieu toza la disperser, mutuna mutuna kwenaye, tokoki kosa la collectif yaba communicateur. C'est que mon tomorote a ben rabino. Et boyo kana raté que bozoa kambongo na likambongo. Non, na lobby, toza clair. Na lobby te que mon tomoko responsable moko ya union sacré a benga kabiso. Mais tant que tu créas qui bas structure wana et ça là qui moi désordre parce que nangambu ya maître Donald Kabasele ba komaka ko kende et pas ya ba institution neti Sénat, Assemblée nationale, hôtel de ville pour na ko présenter structure pour que ba meka un peu ko tombola yango mais mbongo ba bandai ko pesa bango nde et mes ma division. Baton sousou balinga ki bazwa moi mbongo ebele ba mususu ko mépriser ba mususu donc bo créer moi wenge na bino bo ki na senato na ensemble national ba bimisi ebino mbongo au nom de quoi ce n'était pas l'objectif mbongo. L'objectif ezala ki ya ko légaliser structure wana pe ba institution ba reconnaître biso au cas ou bakoki ko pese biso makoki ya fonctionnement donc to lingaki to sala structure oyo koki ko fonctionner d'une manière officielle. Donc c'était dans ce sens-là. Mon consumo côté a benga kapiso ke boya na pese bino mbongo parce que bosali wenge non. Eza idée makanisi oyo euti e panangai baninga pe bazwaki à l'époque na zaki na misoloté pona ko mettre yango en place mais malgré baninga bazwaki et tambolaki ndenge tambolaki wana. Mais ce qui me fait mal c'est que toko ka kité comité ensemble pour que to sangana to sala eloko moko parce que to zaki vraiment divisé mais mutoye comme malicieux sous désordre ezan de konfumo to to yauti awa parce que au moment où ndeko kabase le nangai na bande ko musutsu to sangani na awa na wilerie dans un hôtel pona ko tia ensemble koloba to tika ba divergence na biso to kende biso nyonso elongo parce que to zabana ya tata moko o yazali Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo to mika kosala communication na ye d'une manière ordonnée. C'est dans ce sens là to créer que structure te pour to kende ko rançonner mbongo donc c'est dans cette où on se trouve le désordre. Fumutoto a créé le désordre dans quel, à quel niveau? Fumutoto a créé d'abord le désordre au niveau oyo ngai na zuma kanitsi na bengiye alobi a quoi apparaître te parce que aouti FCC. Ce que j'ai dit, ma main sur la poitrine, il est témoin et il est conscient de ce que je lui dis. Deuxième chose, il y a des ordres où azali ko créer. Tango tokomaki na ba 3-4 structures. Manix Yenda Kotoyo, Ndeko Papi Jesu Kotoyo, Ndeko Donald Kabasele Kotoyo. Parce que Ngai, étant que na démissionnaki na CCN Wana, ba remplaçaki nga et pas Ndeko Pati Malanga. Au moins, il y a une diversité ya ba structure Wana. Nde Donald Kabasele a lobby, au lieu tout ça na ba structure, et belé bouye, bouya to sangana. Tomeka kosa la sikoyo structure moko pour que to présenter yango et pas ba konzi. Mais avant ya ko présenter et pas ba konzi to sa la statut to s'organiser comme une structure nandenge et longobani. C'est à ce moment là que Mfumutoto aye ko créer structure mususu aboyi ko ya ko sangana na biso. Vous avez approché pour lui demander aussi de faire partie tout de à ce... fait to approcher ye to bengiye moi personnellement na benga ki ye alobi ngai na ko ya wana te ye azana posta ya batoyo bakolandaye. Moi aussi j'avais répondu ngai na koki kolanda Mfumutoto te parce que j'étais le coordonnateur ya ba communicateur ya union sacrée. Voilà où le désordre et salamaki pour la deuxième fois est créé par Mfumutoto. Donc c'est dans ce sens là. Alors à quel niveau vous avez commencé à demander pourquoi avoir dénoncé le fait qu'on vous a pas donné l'argent pour la communication? Merci beaucoup. La communication na biso to lobité que tozo senga mbongo. La communication na biso, nous avons dit, nous avons été déconsidérés par l'équipe, il y a campagne, il y a chef de l'État. L'idée,
Et il n'y a pas d'abus. Que mon cousin Abisso, président de la République, a ça la macambouya bien, mais seulement la faiblesse, il y a équipe communicationnelle. Abisso, en tant que communicateur, n'a pas différents partis politiques, Oyo et Zali, n'a pas de l'Union sacrée, tout ça dans la télévision, d'une manière volontaire. Tout ça la moussala, il y a qu'à analyser la politique, les enjeux de l'air, et puis soutenir les actions, il y a chef de l'État, puis action, il y a gouvernement. C'est dans ce sens-là. Mais tant qu'au total, nous avons défendu le président de la République depuis 5 ans, au Yazan à pouvoir, opposition, koto yo bazali komalmené dans tous les médias, ba au bazo fingaye, ba au bazo méprisé, ba au bazo le baloukouta, à salir le côté. Mais nous, on était là, par nos propres maigres moyens, on défendait au moins les chefs de l'État. Notre vouloir, et ça là qui a que, tant que campagne, il y a chef de l'État et bandit, au moins, bah, chargé la campagne, bah, approcher Bissot, bah, le bah, que voilà, message, oyo bokozala nango pendant cette campagne électorale. Ce qui, bah, qui peut kozwa, ndambu na biso, bah, zo tambou na bango, pour que, bah, ça la kaka communication, ça pouvait être bien. Nous avons été mécontents, na zo, bomba ilo côté, par rapport, il y a. Tant que le président de la République a fongoli campagne naïe na stade des martyrs, a présenté Bissot, équipe ya campagne, na chargé ya communication. Nous nous sommes approchés auprès ya madame Oyazali chargée ya communication à campagne à chef de l'État, à recevoir Bissot à l'obi à l'embi, dans un numéro assistant naïe, to komiko benga, bazo yambate. C'est dans ce sens-là que tout sali communiqué, parce que, ils ont la makambou ezo salema, mais ils ont comme pas ya mokonza mbokate. Pour que mokonza mboka aye bake non, nazana bana, oyo bazali, bango moko volontairement, ko porte candidature nanga, ba soutenir nga depuis le début, tisiko yo. Ah donc, et donc, la simple des choses, ils ont au moins, ko approcher, biso parce que tout salé li mokonza na biso moussala, moussala o tout exige mbongote, ne serait-ce qu'une reconnaissance ya ke, parce que vous avez travaillé, venez, nous vous donnons la ligne de conduite. Bossala boy, boulo babouy, boulo babouy. C'est dans ce sens. Alors, que vous avez qui contacté une équipe à campagne à chef de l'État. Bien évidemment. Alors que de l'autre côté, vous avez reconnaître que vous avez reconnu officiellement ici comme roboué. Pesa qui mon salaté, pesa qui a salaire. T'es beaucoup mina tango yako. Tanga mon candidat à bino, bopesi mikolomisa, bopesi yango pana ni pepo na nini. Voilà. Na kotanga communiqué. Mikolomi Satou, Topesa Kiyango, na équipe ya campagne, ya chef de l'État, to lobi que ce qui va répondre à Bissoté, to lobi yango ponanine, parce que il y aurait une somme qui a été déboursée pour na ba communicateur pour que ba pesa ba koka ko pesa biso makoki ya kosala kosala campagne à chef de l'État, et cette somme serait détournée, et les noms qui avaient été cités c'était les noms de Mfumu Toto. Non, c'est donc vous êtes encore conditionnel, donc vous n'êtes pas sûr que une somme a été déboursée. Exactement, voilà pourquoi j'ai utilisé les conditionnels. Mais vous savez aussi qu'il y a un adage latin qui dit Loenika lutulu nunka adibuka baiba lulengato. Voilà le latin. Ça, bon, c'est que vous n'êtes pas habitué à mon latin. Ça, c'est ma façon et mon style communicationnel. Donc, c'est pour vous dire que il n'y a pas de tambour sans trompette. C'est-à-dire, il y a déjà un son qui dit par exemple que un montant serait débloqué pour les communicateurs, mais cette somme ou ce montant est tombé entre les mains d'une telle personne. Donc quelque part, il y a une part de vérité et une part d'incertitude. Na kitu ovandi ndeko fumoto to azaya ki na biso to poza ki question na lobby. Mosolo, basenga ki mbino boza na patience, mbino boza nga ki patience. Et za na bande kwe belé ou ba se retrouve, ba retrouve ba kombo na bango na kata liste ou bino mo publik sur les réseaux sociaux. Ba kouti ba kombo na bango, na bato ba signali, ba signye na sika na bango. Est-ce que wana, eza deja te ko bebi sa document ou eza li, komo ni sa yango ki eza sou na tina mokote. Ndenge ni bino boza na démarche,
pobo sunga kata mukambi kolo bozi ba kombo ya bato na ba signature ya bato oeza infraction na ngambo ya leta boti yango siko demarche wana eza sous signature. Merci beaucoup. Mandat ikoki kozala verbal tout comme kozala écrit. Moi Papi Diosso, le troisième intellectuel, madame Naomi, vous pouvez vous imaginer que bâtir signature sans accord y a moutre. Je vais vous dire une chose et je vais citer les noms des gens ici sur ce plateau. Je prends d'abord maître Samuel Kanza. Il était là. Quand nous voulions commencer les communiqués, Azu appelle à Keya Lobby, Bobandate, Sankinganazal. Au cas où, dans Kozalate, maître Papi Diosso signait à ma place. Il y a des héritiers Ngachi qui, tant que toujours ça là-bas, réunion, il y a stratégie, il est informé, il est au courant, il a donné son avis. Je cite les noms de mon frère et ami, grand frère, Maître Eli Beni et le docteur Nkankonde. Tout le monde, madame Naomi, a donné son aval. Mais, tant que donner son aval, c'est une chose. Signer à la place de l'autre, c'en est une autre. Donner l'aval, c'est quoi? Parce que nous ne pouvions pas mettre une liste dans le salaire qui communication sans pour autant une signature, pas, soit par procuration. Est-ce qu'ils ont dit signer à nos places si nous. Mais bien évidemment. Mais la signature. Mais c'est moi. J'ai dit. Vous êtes, je crois que vous êtes juriste. La signature engage une seule personne. Donc on ne peut pas signer à la place de quelqu'un d'autre. On ne peut signer qu'à par procuration. Vous avez signé par procuration ou vous n'avez pas signé par procuration? Je vais vous dire ceci, je suis juriste et il y a même un principe qui dit « Nul ne plaide par procureur ». C'est-à-dire, peut-être je peux dire quel est le terme que je peux utiliser, la non-supplicité ou la salagité, c'est de l'air exiger une procuration écrite. Mais « Bazali Baninga ». Oyo to communica kana bango, o to zala kana bango, te ndeko, sala na place nanga. Par cette confiance, c'est comme ça que je l'ai fait. Papi. Je ne peux pas accepter que, parce que nazana TV, que bandeko, basale lekinga, procuration écrite, non. Mais au moins verbal, parce que j'ai confiance en eux et eux aussi ont confiance en moi, c'est de cette façon-là, o to sala ki ayo. Papi Diosso, en tant que juriste, si vous allez devant le juge, on vous demande la preuve que ces amis-là vous ont demandé de signer à leur place. Est-ce que vous allez fournir cette preuve-là? Exactement, parce que la technologie a évolué. On va recourir aux appels téléphoniques. C'est enregistré. Non, dans le but que toi n'as enregistré. J'ai dit, on va recourir. J'ai les numéros de tout le monde. Bakolande les numéros, nanga, na solola qui n'a tel. Est-ce que après ça qui mandat ou pas? Je vous l'ai dit. Bango bakani saki que parce que tant que tu sali communiqué et zou tournir moussous et toucher même le président de la République, bah parti politique na bango bâtir pression na bango parce que bah tu y a opposition, bah dévier qui message na biso que bah communicateur y a union sacrée, bah désavoué chef de l'État. Or, même dans notre communiqué, nous avons vraiment soutenu notre chef de l'État parce qu'il reste notre candidat. Mais nous avions vraiment seulement lancé un ultimatum na équipe na à campagne pour que bah résoudre le problème y a bah communicateur. C'est tout à fait normal et logique. Donc vous pointez du doigt l'équipe de campagne du chef de l'État. Exactement. Et nous avons même cité Ndeko Jacquemin Chabani ainsi que Madame Akasia Bandobola. Est-ce que vous avez gain de cause ou d'abord pour ça qui communiquait Nabino? Non, vous avez gain de cause. D'abord, on a été satisfait. Ampleur, Oyo, communiquer Nabiso et Zui. Vitesse Oyo et atteindre toutes les couches, la population et même les cadres, les institutions, les hommes politiques Nabiso Oyo, Toyebi, bah ministre, même le président de la République lui-même. Maintenant, les lendemains, nous avons fait le vendredi, le lendemain, Ndeko Jacquemin Chabani est passé sur un média pour répondre pour Nakoloba que et l'Okozo Lakisa, même que candidature, il y a président Félix Tshisekedi et Zali. Na mitema ya tous les Congolais, la preuve en est que Bande Konabis, ma communicateur, ma sali communiqué na Bango, mais nous sommes en train de voir dans quelle mesure répondre na ma desiderata na Bango. Donc c'est déjà une réponse. Je peux vous dire aussi que nous avons été invités quelque part na Kogi Kotanga, Bisika Tokindagite, Tokei, Bazuba Doléans Nabiso, et voilà.
Nous avons eu bien des causes. Alors pourquoi, selon vous, vos amis ont désavoué ce communiqué-là? Ils ont désavoué parce qu'ils ne sont pas politiques, ou soit ils font la politique par peur. Parce que opposition est détournant qui, comment dirais-je, notre message est que la partie politique na Bango va menacer Bango. Pourquoi? Vous avez votre signature là-bas, mais ils n'ont pas été sincères. Yakoloba était non. Nous avons participé à des réunions, tout comme nous avons échangé avec Baninga na téléphone. Voilà, c'est la malhonnêteté politique. Tout ça à 2 jours en campagne électorale, j'espérais que Kinoto s'il s'accompagne au Bokozwa au Bino Bosengaki. Est-ce que ton Bokenda qui est si ka Bokenda qui Bosoli na sens ya au Bino Bosengaki Bosenga to Bosoli na sens si vous patientez. La politique a des raisons que la raison elle-même ignore. Outu ko tunanga question wana na ibisho que message na biso ezui gain des causes et on s'arrête là. Très bien. Mais... avant qu'on puisse peut-être passer au chapitre suivant. Dénoncer cela, est-ce que ça c'est avantageux pour le candidat numéro 20 ou c'est désavantageux à ce moment-ci des élections? Très avantageux pour le candidat numéro 20 parce que au monaki yemoko na mbujumai. On a cité, la population a accusé le gouverneur, madame le gouverneur. On a accusé aussi les ministres y a agriculture. Makambo moko salamikuna batinda kisoki ba moto na ba engin. Il y a Kosala Bilanga et semble-t-il que les ministres auraient donné ça à un membre du parti politique. Il y a un ami sur le président de la République. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes au Bazali, Pembeni ya Mokonzi, au Bazali Kokomiselae, Bazali Kokomiselae, la vraie information. Donc c'est dans ce sens-là parce que tu déposes qui même un courrier pour ne pas recevoir Bissot ainsi de suite, pour que tu mettes la structure de Bissot normalement, mais ils ont acquis une lettre, une flèche d'aller sans retour. C'est comme ça que nous avons choisi les médias comme canal par lequel message de Bissot est atteindre le président de la République. Est-ce que vous avez le soutien de vos chefs des partis politiques et regroupements dans cette démarche? Parce que vous avez parlé, chacun vient d'un parti politique ou d'un regroupement, vos chefs n'ont pas parlé. Est-ce que vous avez le soutien de vos chefs des partis politiques et regroupements dans cette démarche? Je ne saurais pas parler de soutien parce que même nos chefs des partis politiques savent dorénavant que tous les analystes politiques. Avant que je sois membre et parti politique, naza analyste politique. En tant qu'analyste politique, na kokiko émettre avis. Oyo ezali ko concernenga, mais oyo ezobima libanda ya vision ya chef de l'État, parce que c'est lui qui est le moteur de l'Union sacrée. D'accord. Tout le la candidature na yo, tout le la candidature ya candidat numéro 20 ou besoin de soutenir Ndeko Papi Josso. Omi Bengia wa 3e intellectuel de Kabia Kamonga. Oyé na Kinshasa, du coup oké ko postuler na Moamba. Nini poussé yo otika e pa na yo eza ba problème pour na koya na Moamba. Pour bozo banga mosika topé pour na nini? Nini est motivé yo? Merci beaucoup madame Naomi pour la question. Ce qui kabeya kamwanga ezalaki en dehors ya Congo, je pouvais vous répondre d'une autre façon. Ce qui Moamba pe ezali en dehors ya Congo, il y a qui ezala un autre problème. Mais j'ai quand même la mobilité ou soit la compétence il y a qu'au postuler bisikanyo son alingi et lingi kolobate que le kola na uti kabeyaka mwanga il faut nécessairement na postuler na kabeyaka mwanga. Vous vous sentez plus proche des Moamba que de... Je me sens de... plus proche du Congo parce que je suis congolais, je vis au Congo. Partout où je me retrouve, je pouvais aussi me dire que na kende ko postuler na Congo central. Bande konanga ya Congo central, ba linga kikaka, ba élu linga. Parce que ce qui l'élo, nazali, élu député national, je n'ai pas le mandat de la circonscription ya Moamba, mais nazana mandat national. Donc c'est dans ce sens-là, je fais le choix, ya kopostile, na district ya Moamba. Et pour... votre famille politique, l'ALDEC, est-ce que tous les candidats ont-ils reçu des financements pour la campagne? Vous savez, je venais de vous dire ici que la politique a des raisons que la raison elle-même ignore. Il y a certaines questions
qu'on ne peut pas parler au grand public. Moi, les secrets de ma formation politique, je les garde plutôt pour ma formation politique. Ce ne sont pas des secrets que je vais mettre à la place publique. Mais je sais que notre formation politique, Alliance des démocrates chrétiens du Congo, qui dirige la princesse Adèle Kaïnda Maïna, qui se retrouve à Sandoa pour battre sa campagne, a aligné plus de 400 candidats. Nous sommes une grande force politique actuellement dans notre pays parce que les 10 tops de partis politiques, nous occupons la troisième place après MLC, IDPS, c'est ALDEC. Donc, le parti a aligné des candidats. Est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'un parti comme ALDEC aligne des candidats sans pour autant avoir des soubassements financiers? Donc, vous avez été financés tous à tous les niveaux. C'est ce que nous concluons. Nous déduisons par non, votre... Non, ça, c'est votre déduction. Mais moi, je ne vous dis ni oui, ni non. Ça reste une problématique entre les cadres et militants du parti Alliance des démocrates chrétiens du Congo. Vous êtes Mouamba depuis combien de temps? Et pourquoi au Mitié Namoté m'a représenté Mouamba? Depuis que je suis à Kinshasa, la commune qui m'a reçu s'est limitée. Je suis à Mouamba depuis 2001, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc si je quitte un quartier délimité, je suis dans un autre. Je n'ai jamais habité d'autres communes. Voilà ce qui m'a poussé de postuler à Mouamba. Au Mouamba, il y a beaucoup de candidats qui sont des premiers plans. Il y en a beaucoup. Il y a des gens comme Augustin Kabuya, Rémi Massamba, Pius Mwabilou, il y en a beaucoup. Qu'est-ce qui est votre particularité pour que Mouamba puisse vous choisir, vous? Prenons Pius Mwabilou que vous venez de citer. Il a été élu plusieurs fois à Mouamba. Qu'est-ce qu'il a fait pour Mouamba? Il n'a rien foutu. Donc c'est quelqu'un que les habitants de Mouamba doivent mettre dehors. Il ne doit plus avoir la confiance des habitants de Mouamba. Moi, je dois aller au Parlement. J'ai demandé le soutien de mes frères et sœurs habitants de Mouamba. Limété, Matete, Ngaba, Kisenso et Lemba. Pourquoi? Parce que le travail d'un député, c'est d'abord légiférer et le contrôle parlementaire. Maintenant, la personne que vous venez de citer, qu'est-ce qu'il a fait? Quelle est la proposition des lois qu'il a amenée au Parlement? Aucune. Qu'est-ce qu'il a fait pour sa population? Est-ce qu'en tant que député, envoyé de la population, quelle intervention a-t-il déjà faite pour les comptes de Mouamba? Ne serait-ce qu'on s'arrête à Mouamba. Aucune intervention. Si vous, peut-être la chaîne, vous en avez, vous pouvez balancer ça pour moi. Mais à mon humble avis, il n'y a pas. Le secrétaire général de l'IDPS, je ne peux pas émettre un avis parce qu'il a été candidat en 2018, un candidat malheureux. Et Massamba, je ne les connais pas nécessairement. Kibuka. Mais Kibuka, c'est aussi des gens qui doivent aller en congé. Il n'a rien fait même pour les enfants, les habitants de Matete. Moi, je parle pour moi. Les habitants de Mouamba, numéro 389. Le dimanche 10 décembre 2023, j'ai procédé au lancement de ma campagne électorale. J'ai sillonné, j'ai circulé les rues dans le banlieue de la quartier, de la commune plutôt délimitée. Kawele, Pakadjouma. Vous savez que ces deux quartiers sont des quartiers qui sont oubliés. Je me suis posé des questions. Est-ce que ces gens ici n'avaient-ils pas envoyé les députés au Parlement pour parler pour les causes? Un quartier, deux quartiers très sales, qui n'ont pas de route, qui n'ont pas de maison. Les gens vivent d'une manière insupportable. Quel est votre budget de campagne? Pardon? Votre budget de campagne. Je ne peux pas dire le budget de campagne quand même à la télévision. Je ne peux pas dire ça. Pourquoi pas? Non, ça c'est une raison personnelle. Mais seulement, j'ai rassuré
aux habitants de Pakadjouma, aux habitants de Kaolé, que cette fois-ci, si ils me font confiance, je vais militer. Parce que le travail de député, c'est de contrôler, légiférer et intervenir aussi au nom et pour le compte de ses électeurs. Parce qu'il n'y a pas de maison. Je peux intervenir pour que les gouvernements construisent quand même de belles maisons pour que cette population-là vive comme d'autres personnes. C'est quoi le problème de notre pays? C'est les lois qui manquent? Ce sont les députés qui manquent? Voilà! Oui. Voilà maintenant les problèmes. J'ai dit ceci, je leur ai dit ceci. Les lois existent d'abord. Il y a beaucoup de lois dans notre pays, mais qui ne sont pas respectées. Mon cheval de bataille, c'est d'abord insister sur le respect des lois qui existent dans notre pays. Je vais prendre un exemple. Nous sommes en l'an 2000, les députés ont pris un moratoire pour suspendre la peine de mort. Jusqu'à aujourd'hui, ce moratoire n'a pas été levé. Mais moi, je vais me battre pour que l'on puisse lever le moratoire sur la peine de mort. Pourquoi? Si vous regardez aujourd'hui, je prends par exemple le code de la route, qui n'est pas respecté par qui? Les officiels surtout. Vous verrez un ministre qui prend le sens contraire sur une route à sens unique. Et une personne comme ça, dès qu'il est arrêté, transféré à la justice, jugé, si elle est coupable, elle peut subir la peine de mort, soit par pendaison, soit par fusillade. Et ça va réduire les contraventions routières. Si les officiels eux-mêmes ne respectent pas les codes de la route, qui dit des wewa. Aujourd'hui, regarde, toutes les routes à sens unique ne sont pas respectées. Et il y a des jeeps qui viennent avec les gyrophares, il y a les wewa qui font du n'importe quoi. Et s'il y a levé sur la peine de mort, sur le moratoire de la peine de mort, je vous dis... Il faut tuer tous ceux qui violent le code de la route. J'ai pris un exemple pour les codes, la violation du code de la route. Je vais vous prendre encore un autre exemple pour les détournements. Vous êtes ministre, vous êtes, je ne sais pas moi, DG, vous êtes DGA, PCA, vous êtes gouverneur. Lorsqu'on vous soupçonne par un détournement et que le dossier est ouvert, on vous transfère au tribunal, aux organes judiciaires compétents, on vous juge, on trouve que vous êtes coupable. L'argent de la République a été dilapidé, l'argent a été détourné, comme nous avons vu le cas de Bouchab qui s'est noyé sur les fleuves avec plus de 30 millions de dollars de la SNEL. On vous juge, dès que vous êtes coupable, vous recevez, vous avez une peine de mort par fusillade ou par pendaison. Comme ça, ça va réduire les détournements, les violations. J'ai dit peine de mort, c'est une disposition légale qui est dans l'arsenal juridique de notre... Vous allez au Parlement pour faire lever ce moratoire. Exactement. J'ai parlé à mes électeurs pour leur dire ceci. Regardez les conditions dans lesquelles vous vivez. Ce ne sont pas des bonnes conditions. Mais là-bas, vous allez écouter. Non, il y a les détournements. On a détourné autant de millions. On a fait ceci, on a fait cela. Et ces gens-là sont jugés, certains... emprisonnés et d'autres libérés. Pourquoi comme ça? Alors que la population groupie. Voilà les idées, les nouvelles idées que nous amenons au Parlement. Et lorsque les fonds publics seront canalisés, ça sera pour l'intérêt de la population. Ça sera pour l'intérêt de la population. Vous êtes au Mont en bas. L'initiative, c'est d'abord faire appliquer ces lois-là. Les dispositions légales qui existent. Voilà. Sur, justement. Mais à part ça, Papi Johnson, il y a beaucoup de problèmes. Comment comptez-vous être une solution? Apporter votre pierre de contribution. Merci beaucoup. Je prends les quartiers Mossoso, qui a un problème d'inondation. Il n'y a pas de route. Je prends les quartiers Mombele, qui connaît des mêmes problèmes. Je prends la commune de Kisenso, qui n'a presque pas les routes, mais aujourd'hui, je félicite quand même le chef de l'État, parce que j'ai vu la route principale de la paix,
qui est ouverte déjà, asphaltée et une grande partie macadamisée jusqu'à quelque part là, mais c'est une route qui va jusqu'à Andili Brasserie. Déjà, dès que moi je suis au Parlement, mon cheval de bataille sera aussi de plaider pour que qu'on mette en place une politique d'assainissement. Pourquoi ? La ville est sale. Si vous regardez quand il pleut à Mombele, vous n'avez pas où mettre les pieds. Pourquoi on ne peut pas canaliser les eaux de pluie ? Pourquoi on ne peut pas asphalter certaines routes principales de Mombele ? Et vous allez voir que ces inondations-là vont un peu diminuer. Donc, le problème des monts en bas, c'est sur les plans infrastructures, sur les plans sécuritaires. Aujourd'hui, allez à Matete, vous allez voir que la jeunesse est abandonnée à son propre triste sort. Aujourd'hui, la jeunesse s'est livrée à des actes, je ne sais pas moi, de banditisme, ainsi de suite. Des coulounas en cravate, des coulounas pieds nus, ainsi de suite. Donc, nous allons aussi mettre une politique sécuritaire en place. Nous allons intervenir pour qu'une politique sécuritaire soit mise en place pour que la population de Mouamba et de tout Kinshasa soit en paix. Donc, on a beaucoup de choses que nous ne pourrons pas dire ici sur votre plateau. Alors, pour le mandat du chef de l'État, tel qu'il vient de se dérouler, il vient de finir, comment comptez-vous apporter votre contribution pour que son second mandat s'améliore, soit un bon mandat? J'ai toujours, depuis, contribué au deuxième mandat du président de la République dès sa prise de pouvoir. Parce que j'ai trouvé en lui un homme bien, congolais des pères et des mères, un nationaliste qui a besoin de sa population, qui a besoin que son pays soit au panthéon. Aujourd'hui, sa diplomatie a quand même des résultats positifs. Donc, je soutiens le deuxième mandat du chef de l'État en montant à la population congolaise ses œuvres. La première des choses, ici nous sommes à Kinshasa. À côté ici, il y a l'hôpital général, Mama Yimbo, qui est construit par réhabiliter des nouveaux bâtiments au standard international. Aujourd'hui, nous avons la gratuité de la maternité. Les dames sont quand même soulagées, bien que ce programme est en train d'aller d'une province à une autre. Nous avons la gratuité de l'enseignement. Toutes les mamans qui vendent les matembe, les pondou et consorts, tous les coopérants qui sont en ville ici, qui avaient des difficultés pour envoyer leurs enfants à l'école. Mais aujourd'hui, les enfants sont envoyés à l'école, plus de 6 millions d'enfants. Donc ce sont les œuvres que je vais mettre en place pour montrer à la population des monts en bas qu'ils doivent ou qu'elles doivent renouveler leur confiance au numéro 20 parce qu'il fera plus que ça. D'accord. Voilà. Au numéro 20, parce qu'il fera plus que ça, Papi Dionso, on est pendant la période électorale, vous avez suivi correspondance de la CENI adressée au président de la République, demanda urgemment qu'on puisse lui doter quelques matériels pour qu'on puisse déplacer les kits électoraux dans toutes les provinces. Comment vous avez réagi par rapport à cette correspondance de la CENI? Je reste convaincu et je félicite même la CENI parce que le président de la dite CENI a aussi fait une sortie médiatique sur une chaîne et qui a dit que nous sommes à 90% pour la réussite de la tenue des élections. Ce que moi je veux est que les élections se tiennent dans les délais constitutionnels et à la date prévue le 20 décembre. Et je reste convaincu qu'en cette date, nous irons aux élections pour, évidemment, voter les candidats numéro 20. Moi, je ne reste pas dans la correspondance parce que, vous savez, toujours en latin, on dit « Moulengela Kabula Kalema » comme pour dire qu'il n'y a aucune organisation au monde qui est parfaite, que vous avez prévu cela et vous le faites comme prévu, non. La zone de Melamaponomi, le 20 décembre, jusqu'à là, parce que le 20 n'a pas été quitté. Le 20 est quitté, comme vous le dites. Il y a la question, il y a plusieurs irrégularités qui ont été dénoncées par certains candidats, notamment le groupe de 6, hein, Fayoulou, Mukwege, Théodore Goy, Baende, qui ont introduit une requête à la Cour constitutionnelle
pour dénoncer les irrégularités, notamment les cartes d'électeurs qui sont défectueuses, le non-respect du calendrier électoral, non-publication des listes suivant le calendrier électoral à bonne date. Prenons d'abord la question des cartes d'électeurs. Il y a un bon nombre de Congolais qui ont un problème de cartes d'électeurs. Comment pensez-vous qu'on peut aller aux élections, avoir des bonnes élections avec une partie des Congolais qui ont des cartes d'électeurs dont les écrits sont effacés? Merci beaucoup, camarade Dan. La dénonciation de Fayulu, de Théodore Ngoy et tant d'autres n'empêche pas la tenue des élections le 20 décembre. Leurs revendications sont normales, elles sont évidentes. Et le cas de ces candidats, de ces électeurs qui ont un problème de carte d'électeur. Je suis parmi ceux-là qui ont vilipendé la CENI de la qualité de la carte d'électeur dont les écrits se sont effacés facilement. Mais j'ai été quand même content parce que la même CENI avait mis la possibilité pour que la personne dont sa carte est effacée pouvait quand même s'en procurer d'une nouvelle carte. Mais il y a eu au moins des désordres. C'est que quand vous y arrivez, quand vous allez au centre indiqué, les agents vous demandent de l'argent. Moi-même, je suis allé sur le terrain, on m'a demandé 10 dollars pour avoir la nouvelle carte, parce que ma carte Est-ce que tous les Congolais ont 10 dollars pour avoir ces cartes-là? Voilà pourquoi j'ai dit que j'étais... Combien de Congolais gagnent 10 dollars par jour? J'étais très mécontent, mais la CENI n'a pas demandé 10 dollars. C'est la mauvaise volonté maintenant de nous Congolais. Parce que le Congolais, quand on lui donne une parcelle de pouvoir, il veut faire les excès. Comment la CENI vous dit l'obtention de la carte est gratuite, mais eux demandent de l'argent? Une population qui est au chômage. C'est là que nous... Une population exactement, qui est au chômage, oui, qui n'a pas d'argent. Qui n'a pas d'argent. Dont leur président fournit des efforts pour Abimisa Bangona, système ya chômage, mais il y a... Congolais, Oyo, Bazali, qu'on détruit Kakabandeko na Bango. Même le président de la République avait dénoncé. Moi, je reconnais ça parce que. Vous reconnaissez qu'il y a des Congolais qui n'auront pas aux élections parce qu'ils n'ont pas de cartes d'électeurs qui sont lisibles. Mais même lorsque nous avions des cartes d'électeurs visibles, tous les Congolais n'étaient pas allés aux élections. Tous les Congolais n'étaient pas allés aux élections. Pour vous, les gens ont les Kambote, ceux qui ont un jeu de duplicata, à quoi pour vous en andako. Non, nga na za na posa ba électeur. Na yebisa ki bango ki bakinde bazwa ba carte na bango. Nga imoko na accompagner ba mosusu. Soki mutu asengi mbongo na dénoncer yango. Il y a beaucoup oyo bazali ko kende bazo zwa pe ba carte na bango. Mais na répondre seulement na question na oyo alobi que pona bino soki bozo sala élection ba congolais mosusu ba ko kende na ba ko kende ko voter te. Nde na lobi to zwa ta carte ya 2006, ya 2011, même ya 2018 oyo et se fasa kite. Batunyon so bakendaki kozwate, pe batunyon so bakendaki kozwa bakartwana, bakendaki pe koponate. Donc il y a toujours une catégorie de gens, oyo, bako kendete, na bamosu so bako kende. Même ba oyo bazana carte, oyo, il y a 2023, oyo, ezali bien, bamosu so pe bako kendete. Candidat numéro 20, oyo, zako soutenir, azwami na Kananga, azwami n'espace Kasai, na discours na e. Na mbujima yubishika pasola kina bana mbuka mobilisation ezali ki makasi kasi discours wana ezali très critiqué kolobaka que asengi bakasayen bazala soudé parce que bazala ki abandonné ou tata romolai discours moko très critiqué yo personnellement tout ça l'apologie à tribalisme était mozana ngambo ya ya Kasai comment est-ce que personnellement discours wana est interpellé? Discours on a interpellé, et ça n'a nous, discours il y a malamou, il y a un père de famille, où il a se retrouvé aussi na fief natal naé, fief électoral naé, parce que il y a espace naé. Même Yesu Yemoko, Azala Kina Ipana Bango. Vous comprendre, maman Naomi. Donc, ce qui au moni, discours il y a président de la République critiqué, et pas il y a banane. Bato bazali ko soutenir candidat ya étranger na candidat étranger ba critique na bango et talika ka bango
biso toujours qui ndeka kali boso ezaki discours ezaki discours tribalité parce que ceux qui font na zone les psychologues biwana fief électoral na eza bongote fief électoral ya président eza Congo mobimba là il faut être non ça c'était l'absus exactement oui, merci oui. beaucoup pour la recadrage Joana il fallait na loba fief natal naï aux hommes et puis chef électoral naïe dans le sens que les alas qui espacent et votent qui est ming à 90% d'accord mais est-ce que dans discours les alas qui tribalité tant à lobby que tous à la base à l'ensemble parce que Kassa et Zaya qui abandonné tant Mola et Bosso tant à Kenda qui a lobby et le reste à la tire l'eau machi à mon est-ce que ça quelque part est qu'on enflammé les sous-sous non et ça qu'on enflammé et ce qui a lobby machi à mon menu na ou tu connais bisayo yes ou yemoko à la bande de konaï et puis yes ou pia zolo babande konaï à zolo batata na ya zolo ba maman aé quel est le mal que Félix Tshisekedi dit à sali ce qui a lobby machi à mon menu machi à mon menu lingi kolo kaka makila boza makila nanga cela ne veut pas dire que bakongo man oya Congo central baza makila na ye c'est une figure de style o ezo la kisaka ke mokonzi azai pa na bango to salaka na mobuto awa azaki mutu ya Équateur est-ce que ce qui a qui na Équateur a lobi ke boza bande konanga cela veut dire que na kasai baza bande ko ya mobuto te non to longwa na ba débat ya ka niveau eza ba débat ya nzela parlons de l'abandon du Kassai. Est-ce que sous Félix Tshisekedi amélioration dans le Kassai est parce que tout le monde même batona mino moko qui t'a sur terrain que Kassai est allé en fer. Non. Ce qui batoba le bique Kassai est allé en fer, est kaka excès ya koloba. Kassai ya lilo, na Kassai ya lobi est en dengue. Nini bongwani. Ce qui batongi quand même université bien que ba fond wana izala qui détourné mais ceux qui ont cueilli les lots parce qu'ils ba dénoncent qui yango ainsi de suite ceux qui ont cueilli université et tombami banzela et salemi quand même ba école et tongami wana tokoki ko boyate na lobby tech salemi à 100% mais les quelques pourcentages et salemi wana est valorisé quand 5 même 5 infrastructures et tongami na kasa ni nani ce qu'il faut tanger la biso 5 4 bon ce qui dans le par exemple na niveau ya école il y a ba école d'abord na kabeya kamwanga et pananga école on en totika la komona te ba atongi ba école 4 na kabeya kamwanga mususu na mopompa côté ya village na bango atongi école bomona ki bilili le kaki même na RTNC une école au standard international même na Mbujimayi atongi hôpital il y a mama yembu yakuna hôpital de référence de Mbujimayi atongi yango pas réhabilité banzela et salemi donc voilà quand même quelques œuvres oyo président de la république et vous pensez qu'il a encore la confiance ceux qui azala qui la confiance il y a population kasayente balinga ki koya koyamba yete baye koyamba ye baye bisi pe badoléance mususu aye bisi bango ki problème ya miba parce que on a posé le plus grand problème c'est la société minière de Bakwanga qui est miba oyo un seigneur peut passer deuxième mandat pour relancer en haut alors qu'elle aurait qu'elle aurait relancé mais il faut voir oui puis même la bible là-bas ce qui moi n'en a eu à Zobela, Nambo Kanaïo et Zobela, au coup privilégié Nan. Ce que privilégié moi n'a et que moi n'a bi qui m'a belé qui au Kokunda Yawapi. Ce que privilégié moi n'a et que moi n'a à Koufi au Kokunda Yawapi. Ce qui a biki à Kovanda Wapi. D'où il faut d'abord que protéger ma belé parce que ce qui moi n'a biki à Kovanda na ma belé. Ce qui moi n'a à Koufi au Kokunda na ma belé. Nous avons connu un complot international sur les plans sécuritaires. Yambo Kanabiso, le président de la République a Kokaki Kotika. Kotika sécurité ya mboka te pour akende kotonga kaka Kassai ce qui coûte abandaki na Kassai baka kaki pe kolobaka ke non aza tribal abandi kaka kotonga pa na bango c'est comme ça que mona ki abandaki ndé na ba province mususu alors c'est quoi voilà. Pour vous les 5 ans qui viennent de s'écouler c'est quoi la plus grande faiblesse du président Tshisekedi motema malam c'est ça la plus grande faiblesse ya président Nabiso. Pour ce qui est à la quimpe, il y a dose même il y a dictature. Je pense que tout le monde qui est un peu moins l'icône. La plus grande force. Sa force, c'est la détermination et l'abnégation dans le travail. Mmh. Oui. Alors, le chef a aussi déploré le fait que la justice ne l'a pas aidé. Bien évidemment. Ne l'a pas accompagné. Et donc, à quel niveau la justice ne l'a pas accompagné pendant son mandat? Dans le sens qu'il y a les détournements.
et que tant que mususu nazo kota na baide nae dans le sens qui ba baide était ba détournement ezali ko salema mais justice tant que mususu soki akangi a jugé a condamné pe a libéré et suivi il y a misolo o ils a détourné ils a penza malamote c'est ça qui a fait que batouana tant que bazali ko détourné bambongo wana aibina eka ke non so bakanginga ba o condamné nga na ko beta match na ko bima affaire 100 jours il y a détournement toutes ces affaires là ba 100 jours ba chile gelou bien que chile gelou ils a quand même na ba prouesse na yango d'une manière positive même 100 jours wana banda ko na kancha chezali ezali pe na ba moi ba makambo ebele sinon chef a déplora qui parce qu'à mon avis que justice penza ekota qui vraiment la vision a été bien que ça va pouvoir il y a la séparation des pouvoirs quand même c'est lui qui reste les garants des bons fonctionnements si des institutions si la justice ne l'a pas accompagné donc son mandat c'est comme ça que son, à procéda qui quand même un renouvellement il y a pas magistrat dans la lutte contre les détournements la corruption c'est à dire que le bilan n'est pas bon si la justice ne l'a pas accompagné. Non, ce n'est pas parce que la justice on ne peut pas dire que la justice ne l'a pas accompagné. La justice ne l'a pas suffisamment accompagné. Ça, il faut le souligner. C'est qu'il y a quelque part, justice est accompagnée, mais est atteindre, c'est accompagnement. Okay. Donc, et parce que la justice n'a pas atteint le seuil d'accompagnement, il y a vision à chef de l'État, que bilan est à zéro, non. Bilan est à chef de l'État, il y a un secteur rébellé. En termes d'infrastructures routières, les canaux de communication au niveau national, est-ce qu'il y a des canaux qui ont été construits pendant ce, les canaux de communication, les routes. Oui, oui. Il y a des routes qui ont été construites. Il y a Kalambambouji qui a été asphalté. Il y a la route Sakanya dans les Grands Katanga qui a été construite. Il y a plusieurs routes qui ont été construites. Le social, est-ce que vous avez été au rendez-vous? La plupart des gens confondent que le social, c'est seulement le manger. Tout ce que nous sommes en train de dire, c'est les sociales. Lorsqu'on améliore les salaires d'un fonctionnaire, ça entre dans les sociales. Lorsqu'on met la gratuité de l'enseignement en place, ça entre dans les sociales. Lorsqu'il y a des écoles construites, ça entre dans les sociales. Lorsqu'il y a des hôpitaux et des centres de santé construits, ça entre dans les sociales. Les sociales n'est pas seulement le manger. Lorsqu'il y a inflation, c'est aussi le social. Lorsqu'il y a inflation, le président de la République, Yemoko, il a dit ceci parce que nous, nous produisons rien. Nous devons faire beaucoup d'efforts pour que nous commencions à produire ici et vous allez voir que l'inflation est aux allées se sauter. Non, on n'a rien produit. Pendant 5 ans, il n'y a aucune production au niveau interne. Non, si j'ai dit qu'il y a des productions au niveau interne, je serais peut-être malhonnête, mais au moins, dans le secteur, peut-être, il y a Masango, tout le monde qui Kanyamaka CC, va produire quand même Masango. Et tout ça, c'est la mauvaise gestion. Il y a pouvoir passer, il y a 18 ans, où il y a eu Bokangalon, Zobateki, mais Bangouan, il y a toujours mon Abango Lelo, il se présenter comme étant candidat, ou il va soutenir le candidat Moussousou. Mais nous, avec le deuxième mandat, nous allons faire quand même beaucoup d'efforts pour revenir dans la sociale au Yobinomoko. Vous allez vous attendre, Fofo et Kokita et Fofo et Gozala. Bon, on est en train de finir. Parlons de l'insécurité, particulièrement dans l'est de la RDC. Là-bas, il y a un problème. C'est les M23 qui occupent une partie du territoire national. Mais pourquoi ici, dans l'ouest, ici, il y a où les Mobondo? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas, on n'a pas su organiser les élections là-bas? Je n'ai pas bien saisi votre question. Ici, dans l'ouest, à côté de Kinshasa, pourquoi il y a toujours l'insécurité à tel point qu'on ne sait pas organiser les élections là-bas? Bon, la question de l'insécurité est une question très pertinente. Vous voyez que Nambo Kanabiso... Non, on est au plateau de Bateke. Ici. Nous sommes ici. Voilà. Nous avons vu les hauts cadres, ou soit les responsables des partis politiques, je peux dire en globalité, les politiciens congolais, certains, nous les avons vus faire des déclarations que nous allons faire tout pour mettre en place un climat d'insécurité pour nous empêcher Tshisekedi de travailler malade. Ils sont là. Certains sont dans l'opposition. Mais cela ne nous a pas empêchés au moins de travailler. L'insécurité reste le cheval de bataille, il y a Félix Tshisekedi. Vous voyez que
mboka na biso ezali confronté na haine internationale par rapport ya ba avoir na biso otozana ngo ba minéré toute forme de richesse au biso tozali na yango ezali convoité par les puissances internationales et donc nous sommes confrontés à ces complots internationaux et vous savez que il y a un problème des rapports de force. Ce sont des grandes puissances qui sont derrière un pays qui est le Rwanda via Paul Kagame et son mouvement, les M23, qui mettent cette insécurité au sein de notre pays. C'est comme ça que le président de la République a s'alimenté la diplomatie na ye pour que Amekata pour maintenir Kimiawana. Et nous sommes convaincus, na deuxième mandat, Oyo, Makamwana, il y a insécurité. Wana. Je parlais de Kouamout. C'est toujours le Rwanda. C'est toujours le Rwanda, la communauté internationale. Rwanda a même une administration publique. Même à Kouamout, le Rwanda. Rwanda a même une administration publique. Ils sont très puissants. Qu'est-ce qui empêcherait? Ce n'est pas le Rwanda qui est puissant, mais c'est les grandes puissances qui soutiennent le Rwanda. Même à Kouamout, c'est toujours la même chose. J'ai dit. Très bien. Papi Josso, on est en train de finir. La régie nous a dit que c'est. On a épousé toutes nos minutes. Alors, pourquoi, c'est la question traditionnelle à la fin de l'émission, pourquoi cette population qui va voter le 20 décembre va jeter son dévolu sur vous, votre personne, votre candidature? Pourquoi elle va vous choisir? Population, il y a mon amba et koponanga pour na makambo et belé. Il y a liboso na tchiyango na phrase moko. Tango nazo tambola partout na koyibisa bango pe nazo profiter micro na bino na yibisa bino congolais telema totonga mboka congolais telema totonga mboka tokotonga ngo ndenge nini ya liboso tozo bengana nan ba député ya kala oyo ba intervenir pour la population ya mwambate na mekaki kotanga quelques kombo yo pe otangi awa plus mwabilu na bagiti pe ndeko Steve Mbikai okomona que batouana tango bazoya bavandaka na mwambate bavandaka na bagombe ba kintambo ba mamilie moko eza trop luxueux mais ceux qui baye ba pesi bango manda bango bakabolika kama puta na 20,000 francs bakei. C'est comme ça que j'ai dit à la population de mwambake congolais telemato tonga mboka, il est temps d'abord ya koboya polo koboya chapeau koboya soso koboya loso peli pou tape na 2000 francs donc toujours ba papa wana to tche bango pembeni bo voter sikoyo ba jeune le renouvellement de la classe politique ni ebisi biso ke bino moza différent ngai na za différent na bango parce que na kozonga kaka na plateau na yo parce que na za molobeli molobeli ya population nazo ebisa nazo peso ndakisa place na vandi na pakajuma tala d'abord la première des choses. Ngai naza candidat député national ya Moamba mais ma navandi na banlieue ya Moamba qui est le quartier mal réputé ya Pakadjoumi na lala kana bango na la mukaka na bango na viva kana bango soki maye katani e okatane pananga soki courant ekeyi ekeipe e pananga mais bandeko o wana o batangi kombwa c'est un siège de l'ONATRA ou vous avez spolié le siège de l'ONATRA? Non, on n'a pas pollué le siège de l'ONATRA. On n'a pas spolié. C'est le long du rail. Écoutez un peu. C'est la spoliation, monsieur Papi Josso. Écoutez, mais c'est pourquoi nazo kindekuna, bazo pesanga mandana kindekuna, pour que le gouvernement a sa disposition, ya kotongela bango, et si ka ya malamu bavanda na ba condition, ya bien parce que bazape ba congolais. Donc, j'étais en train de dire que, dans la route, il y a forgeron, ils ont arrivé à Kalamu et le Kiwana, ce qui m'oule bête, inondation à niveau wana, bato bazana ngambo kuna bakoleka boite, bato bazabo bakoleka kuna te, même mituka ekoleka te. La seule personne où il y a salaka intervention pour que bayaka ko déboucher Kalamu wana, c'est bel et bien moi. Natikala komona plus mobile komi wana te, natikala komona Yves, comment il s'appelle, Steve Mbikai, à Komawanate, tous les candidats, la plupart, au Bomoni, va postuler dans mon amba, va vendre dans mon amba. Voilà la raison pour laquelle, ba na mon amba, va couper sans confiance, parce que de un avant d'akana bango, na lobe la kabango, pe na lobaka déjà, na zo kende ko parlementer,
pour na bango ko mema ba passe na bango et pa yapi ba oyo bazana makoki ya kosilisa yango. Voilà au moins les idées obiso tozana yango na ba oyo na ebisi bino ya ba peine de mort awa pour na ko bangisa ba oyo bazali ko sala désordre na matière par exemple ya ba kuluna na secteur par exemple ya kuluna. Imaginez-vous ceux qui ba lever moratoire wana kuluna katine de colichette bakata ba maman na omindenge ba lati chapeau bo soki azana moto soki azana motuka ba bindi peric na ya somi yango soki na $100 soki combien et ke mutu ya bongo bazui ba fizier ye mutu ya bongo bazui ba pandra ye est-ce que ba mususu ba kotika la ba kobanda ko moni sa ba maman na biso passe ba ko moni sa bango passe donc ba député wana oyo ba kei oto tinda ki ba sali le côté des photos cha bango pembeni bazong se biso ba oto zani na makanisi asika pour na développement ya mo amba pe ya Congo Mobimba. Très bien, c'est la fin de l'émission. Ndeko Papi Josso, bonne chance déjà. Merci beaucoup. Maintenant, rappelez quand même le numéro nanga. Bana nyonso ya mo amba ngongango ebelemi candidat na bino yeyo maître Papi Josso ngando mwende la Bwinda nazali candidat député national na circonscription électorale ya mo amba numéro 389 na liste ya ALDEC. Moamba soki o voté bien té c'est que o voté pona liwana yolobi. Moamba soki o voté bien té c'est que o voté pour que ba inondation et continue kaka. Moamba soki o voté bien té c'est que ozo voté kaka pona ba papa wana oyo batongi ba école ya cher na moamba oyo bana na bino bazali na makokete ya kotanga na ba école wana. Le 20 décembre tango zo komana urne oponi nanu numéro 20 Fachi Beton. Oponi Fachi Beton pour nanine. Gratuité à maternité, gratuité à enseignement. Okiti na députation nationale au voté numéro 389 Maître Papi Josso pour nanini renouvellement ya classe politique. Pe azamo lobe nabino, alobe la kabino déjà, pe ba solution. Et soit makawana. Merci beaucoup. Avant da kanabino. Merci beaucoup, madame Naomi. Merci beaucoup, cher ami Dan, pour l'invitation parce que en latin on dit conto mi kolobunena. Le latin c'est une langue morte. Le latin c'est une langue morte. Je me fais ressusciter. Merci beaucoup monsieur Dan. Merci à Baye Balandibiso partout à travers le monde. Tokutani na quelques heures na bande ko mususu ba candidat mususu mais toujours avec le même plaisir. Au revoir.